Hop. Oh, attends, j'ai un appel. Allô? Ouais. Ouais. On est à la plage. Je suis à la plage. Oui, d'accord. Et qu'est-ce que ça me fait? Viens me rejoindre. Pourquoi? J'ai quelque chose à montrer. C'est une bonne nouvelle ou une... Ah merde. Et ou une mauvaise? Bonne. D'accord, à toute. Bonne pour moi, peut-être mauvaise pour toi. Bon, alors. Pour l'un... J'espère que ça va pas être un truc qui me fait du mal, mais parce que c'est bizarre ce qu'il a dit. Peut-être pour moi ça te fera, pour lui ça lui fera du bien, mais pour moi non. Ça me reste dans ma tête. Pourquoi il a dit ça? Non, me dis pas c'est ce que je pense. Non, c'est pas possible. Il me l'aurait déjà dit depuis longtemps. Donc c'est bon, je peux rabaisser. Parce qu'il me l'aurait déjà dit depuis longtemps si c'était ce que je pense. Bon, allez hop. Parce qu'on se dit tout avec mon frère. Donc ça peut pas être ça. Vu qu'il me l'aurait déjà dit. Pourquoi sur la plage? Lui, il va jamais tout seul à la plage. Il préfère à deux. What? Ouais, bon, qu'est-ce qu'il y a? Comment tu vas? Ouais, ça va. Alors, t'as pas remarqué? Qu'est-ce qu'il y a là, celle-là, là? Dégage. Lila, tu parles? Pourquoi tu dis dégage à Lila, là? Lila, calme-toi, quoi? C'est mon frère. C'est qui? C'est mon amoureuse. Oh, putain de merde. Oh, putain de merde! Tiens! Pourquoi il fait ça? Léon, c'est ma caisse! Tiens, ta voiture! Arrête de casser ma caisse! Aïe! Caisse. Aïe! 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 C'est bon, arrête, Lila! Lila, arrête! C'est bon, j'en peux plus, j'ai mal! Fou, tu me. On s'était toujours dit tout! Mais... Le frappe pas, il va te buter, Mathis! J'aurais bien voulu te le dire, mais... Voilà, mais quoi. T'as pas voulu, c'est ça? Non, c'est parce que j'étais trop gêné. Tiens, t'as pas reprise! Monte à l'arrière! Pourquoi? Ça me sert à quoi? De voir que t'as une femme, c'est tout! Alexis! Deux secondes, j'enlève mon casque! Sois pas jalouse! Surtout, tu vas me laisser tomber! Allez, viens! Viens parce qu'il y a comme il commence à avoir un peu trop de monde. Non, t'avais pas d'armes. Non, on a les filles. Bon. Non, mais on a pas vu. Fou. Enfoiré là. Maintenant, moi, j'ai même pas de femme. Je vais me retrouver tout seul. Tiens, c'est pas parce que j'ai une femme que je suis avec toi. Ouais, c'est sûr. J'avoue. Bah allez. Et tu veux m'emmener où comme ça? Moi j'ai bien vu que t'es gay. Quoi? T'es gay, je le savais. Tu me l'as pas la dernière fois là avec René et tout. C'était un sacré choc. Te rappelles bien que tu dis que je suis gay, mais en même temps, tu te rappelles bien que c'était parce que j'avais eu un coup sur la tête. Te rappelles après j'étais amoureuse d'une femme. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas déjà de Lila que t'es amoureux, alors... Pourquoi tu veux me frapper? Aïe! Et pourquoi t'as fait ça? Je peux mourir. Lila, non, je ne frappe pas, c'est bon. Je crois qu'on ferait mieux de se changer, attends. Regarde pas, wesh. Mais pourquoi je... moi, je me casse. Voilà, c'est bon. M'énerve, là. Alex! Aïe, quoi? Mais quoi? J'ai rien à faire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Reste avec ta femme. Ah, moi je monte à côté d'elle, c'est mieux. Ouais, j'y suis. Ah, on est bien à côté de ta femme. Tu me laisses être à côté de ma femme là. Ça va, Minette? Tu me laisses être à côté de ma femme. Je t'aime pas.
rien, Lila. Qu'est-ce qu'il y a? T'aimerais me frapper, c'est ça? Hein? Monte à l'arrière. Monte à l'arrière. Bon, tu veux que tu m'emmènes où? C'est bon, j'ai compris. T'es une femme. Fais ta vie. Qu'est-ce que tu me veux encore? On va à notre appart. Je vais t'expliquer un peu. Ok. Ah, et moi j'en ai marre! Arrête! Quand on est marre! Que je vais t'expliquer, tu seras moins sérieux. Tiens! Tu veux faire quoi là? Tu veux me flinguer? Vas-y! Mets une balle dans la tête! Même si je suis ton frère, je sais que tu t'en fous! Allez, mets une balle, vas-y! Et j'attends que ça! C'est moi le grand frère dans l'histoire! Mais alors mets-moi une balle dans la tête! Ça te fera du bien, je parie! J'ai pas envie parce que t'es mon frère. Ah! Lila! 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 Je crois qu'il faut que t'ailles voir pour ta femme, elle va pas bien. Non, t'allais pas bien, on disait. Ah, c'est bon. Lila! Lila! Aïe! Aïe! Lila! Ouah! Hey, tchouch! T'étais pas content? Vraiment énervé que j'avais cassé l'eau. C'était trop cool, c'était trop marrant. Papa. Je vais devenir taré. Et les flics, je leur tire dessus. Dégage. Je vais devenir taré. On dit que je devenais taré parce que j'avais pas de femme. Accident! Dégagez les flics! Je vais vous buter! Lila! Lila, va te reposer à ton appart! Ouh! Un bras cassé à cause de lui! J'ai buté un flic! Je vais devenir taré! Hey, dégage-toi! Bande de flics! Wouh! Papa! Allez, salut! Je suis en pleine course poursuite! J'ai rompu avec Lila. Content pour toi! En tout cas, là, j'ai les flics! Je vais cramer! Pourquoi j'ai fait Lila. Ça? Allô, Lila! Je lui ai fait croire qu'on a rompu pour qu'il se calme un peu et Au secours, j'ai la police! J'ai la police! Je vais crever! Là, tu me trouvais complètement taré. Allez, je vole une camionnette de police! Assassinez la police! Ouais. Allô? Ouais! Je sais pas si tu me vois sur le tour, toi tu me voyais quand j'arrive à fond la caisse vers toi. Tu vas voir pourquoi. Oh, ah putain! J'attends à l'abri. Allô Lila? Tu me voyais arriver à fond vers toi. Tu vas voir. Je te rappelle après pour dire qu'il va. Toi, tu filmais à Lila comment j'arrive à fond. Tu vas voir pourquoi. Alors, je vais mettre de la colle sur le siège arrière, ainsi, voilà. Allô, Lila? Lila, je te montre une vidéo de comment ça va. Alex! Faut que je me casse, y'a les poulets! Oh, merde. Allez, qui sort et monte avec moi. Je peux pas, ils sont tous là. Ton contact là, les sœurs, il me semble. Je n'ai pas assez, j'ai 0$. Vite. Dégagez. Je peux pas aller avec toi, je vais te blesser. Hé Alex, suis ma moto, j'ai un endroit où est-ce qu'on pourra les semer.
Les freins ils marchent plus. Non non mec, ils fonctionnent encore. C'est chaud là. Putain. C'est bon, je suis en train de les semer dans le métro. Allô frérot. Déjà y a rien de logique. Alexis, tu t'énerves parce que c'est une femme. Allô, allô là. Vite. Allô frérot. Ouais. Frérot. Ouais, quoi? Je suis vraiment désolé, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai fait une grosse connerie, je suis vraiment désolé. Ouais, bah là, c'est bien beau tes excuses, mais je sais pas où t'es. Je suis dans les... Je peux pas, je suis en train de me cacher dans les rails du métro. Je fais pas de bruit. Bon, après j'irai te voir et je suis vraiment désolé. A tout de suite. Oh là là. Je suis si jaloux. Tu m'entendais au téléphone? Oh, je suis si jaloux. J'aimerais tellement avoir une femme. Quoi? Allô, Lida? Là, tu venais me chercher, Matt. Bon, c'est bon. Je vais ressortir du métro. Tu m'entendais au téléphone? Bah, j'aimerais tellement avoir une femme, mais je peux pas. Oh là là. Oh là là. Salut. Oh, Alex, monte. Ouais. Pourquoi? Je vais discuter avec toi. Ok, j'arrive pas à monter. Ah oui, attends. C'est bon, tu peux. Eh, c'est collant. Ouais, c'est normal, j'ai mis de la glu pour que tu restes et que tu puisses pas partir. Oh. Non. Je t'ai menti, je suis encore avec Lila. Ouais, t'es content, hein. Enfin, bon, une femme. J'ai une femme. Mais toi, t'en auras une plus tard. Non, toi, j'en aurai jamais. Si. Personne me t'es veut. T'es beau gosse. T'es même plus beau gosse que moi. Bon, tu parles. T'auras une... Je te jure que tu trouveras la femme de ta vie. Moi, ok, t'as Lila. Peut-être raison. Mais de toute façon, on n'est pas corps. Marié et femme, on s'est pas encore marié, on est juste amoureux, c'est bon. Ouais, c'est sûr. T'as raison. Du coup, là, on va ressortir. On va aller à l'appart de Lila. Et voilà. On va s'expliquer. Et on va s'expliquer. Ouais, Lila va te raconter qu'on n'est pas mariés pour que tu saches que c'est vraiment vrai et que je te mens pas. Ouais. Voilà. Oui, t'as fait. Mais il faudra l'attendre, elle est partie au magasin vêtements. D'accord. Mais elle va peut-être pas changer, c'était juste pour voir des vêtements que je pourrais acheter plus tard. D'accord. Non, pas par ici, à droite. Enfin à gauche. Ouais, je sais. Je connais ici, tu sais pourquoi? Je te l'ai jamais dit. Tu te rappelles? Attends, et t'écoutais? Ouais, mais tu te rappelles aussi quand j'avais 4 ans et que maman me retrouvait plus? Ouais. Tu vois les tuyaux en haut qu'il y avait? Et ben j'étais coincée là-dedans. Et c'est pour ça que depuis j'étais claustrophobe. Moi j'avais 3 ans de plus, du coup j'avais 6 ans et j'étais vraiment inclinée. Je me souviens, je m'entendais tout le temps pleurer pour toi. Ouais, et à un moment, tu m'as retrouvé dans les égouts. Ouais. Quelques semaines plus tard. Bon, bah, go, on y va, hein. Vas-y, remonte par ces trucs. Je vais mettre un point à la part. Je vais mettre un point sur la part de Lila. Attention! Oh, c'est bon. Oh, ça m'a fait peur. Faut que tu passes sur le côté. Mais faut que tu prennes de l'élan. Mais c'est pas... Non, c'est que ça m'a fait sauter quand t'es allé trop. Par contre, ça a arraché un peu mon jean, hein. C'est pas super. Bon, t'inquiète.
La glume, hein. Non, ça va pas arracher. Ah, les citernes! J'aime pas ça! Pars! Ah! Putain, pars! J'aime pas les citernes! Oh. Putain, il y a trop de citernes! Ah! T'es un malade? Non. Tu veux nous tuer? Je fais juste ce qu'on faisait avant. Tu fais quoi en fait? Zut, tu... L'essence tombe. L'essence tombe dans les trous. Mais tu veux faire quoi, frérot? Voilà. Pourquoi tu voulais faire ça? Parce que ça me rappelait l'ancien temps. Tu te souviens quand on le faisait? Ah oui. Allô, Lila? Monte, je t'emmène. Bah, on va bientôt arriver à l'appartement, là. Parce que on était un peu dans le pétrin. Ouais. Du coup, tu pourras lui... Faudra que tu lui confirmes qu'on n'est pas encore mariés, qu'on est juste amoureux, ok? Parce que sinon, il va se remettre à penser. Pourquoi j'aurai jamais de femme? Mais si, t'en auras une, t'inquiète. Lila. Tu verras que ta soeur, elle est amoureuse de lui parce que c'est la vérité en plus. En plus, lui, il est amoureux de ta soeur, c'est ça. C'est ça la coïncidence, faudra que tu lui dises. T'as vu, j'ai pris des cours de pilotage. Ouais. Elle est bien rouge, celle que, la, celle que tu dragues. Ouais, trop, elle est belle. Elle, elle est... Elle est trop belle. Elle n'a que 16 ans. Elle veut déjà faire... Désolé. Tu te fous de ma gueule, en fait? Parce que j'ai non, pas de non, fun. Non. C'est une musique... écoute, je la connais. C'est une de mes amies. C'est depuis que j'ai rencontré Lila, eh ben, c'est devenu une de mes amies. Elle. Lila t'expliquera pourquoi. Oh, bon bah tu me fais entrer. Lila, fais-nous entrer, s'il te plaît. Alexis, sors. Sonne, parce que sinon elle peut pas accepter. Ok. Ouais, Lila. Ouais, bah je te laisse t'expliquer avec lui. Moi, en attendant, je vais faire une petite sieste. Allô. Son corps Noël, je m'en rappelais pas. Bon, vas-y. Ouais, ça c'est ce qu'il m'a dit. Attends, je vais mettre des lunettes. Ouais. Elle a... Ah, je savais même pas. Mais il y a des jours que je l'ai pas revue. Ah. Je pensais pas. Non, oui, oui. Non, mais après, ça fait quelques jours hein, que je l'ai pas vu, mais ouais, ok. Je la reverrai, ouais, peut-être à un moment, mais pour l'instant, je peux pas. Tu vois, j'ai le boulot et tout. Mais ouais, ouais. Ok. Bon, bah, je vais partir. Hein. Merci de me l'avoir dit. Au revoir. Ouais, j'ai une petite, mais elle a été brûlée. C'est pas fastoche. Ok. Si mon frère y veut. Ouais, ouais, tu peux bien dormir ici, hein. T'inquiète, je dormirai T'inquiète, je dormirai sur le canapé. Je vous laisse votre lit quand même. Je vais pas vous le prendre. Non, mais si tu veux, tu peux dormir à côté de Lila. Hein. Mais non, t'inquiète, je te la laisse. Hop. Bon. Moi, ça me dérangerait pas de dormir sur le canapé, tu vois. Non, oh bah t'inquiète, moi aussi, je l'ai... Tu te rappelles, frérot, quand j'étais petit, je disais tout le temps à maman et à papa de dormir sur le canapé, toi et moi. Bah c'était oui. Si bien, j'adorais. En plus, quand on a déménagé, il y avait qu'un seul lit au départ, du coup, on dormait tous les deux. Ouais. Moi, je vais aller me coucher, je suis fatiguée. Ouais, va te coucher. Ouais, il est 5h de l'après-midi.
Ah, mais j'ai fait une grosse journée. Bonne nuit. Bonne nuit. Ça me fait chier, je mettais la radio. Quoi? Y'a quelqu'un? Ah, c'est toi qui as mis la radio. Bon, je vais me recoucher à toutes. Ah. 2 heures plus tard. Non, mais j'ai rallumé la radio. Ça faisait déjà 2 heures, tu me réveillais. Bon, j'ai rallumé la radio. Calme-toi. Ilia, pourquoi tu t'es mis en pyjama? Bah, va dormir, Lila. Il commence à faire tard. Nous, on a un petit rituel avec mon frère. On ouais. Bon, on va faire notre rituel comme d'hab. Ouais. Et c'est après que le lendemain, enfin demain, que tu commenceras à me laisser tomber. Ah oui, merci. Bon, vas-y, on va faire notre rituel. En plus, là, c'est parfait. Ça va être l'heure d'aller se coucher. Enfin, c'est le coucher du soleil. T'es sûr tu me laisseras pas tomber? Ouais, non, non. Ouais. Allô, Lila? Elle est malade. On est encore à notre rituel, là, mais on va bientôt revenir. Parce que c'est bientôt la nuit. C'est un rituel, pas dit. Pas le droit d'en dire plus. C'est privé, pas le droit d'en dire plus. T'inquiète pas, on fait pas de conneries. Tu lui as dit au moins qu'envoie-lui un message qu'on fait pas de conneries et qu'elle a pas besoin de venir, qu'elle a pas à s'inquiéter. Non, ouais, bah t'inquiète, je lui ai déjà dit. Ah, en attendant que t'as pas de femme, tu le fais toi? Bah, non. Je te laisse y aller, je t'attends à la sortie. Ouais, c'est merci. Moi qui vigile aujourd'hui. Ça marche. Ouais. On dirait que Lila, oh elle arrivera après, quand ouais, je la regarderai. Bah ouais, là, il est en train de venir, Robo. Ouais. Bon. Lila, Robo, si Lila est là, je fais un bruit d'oiseau. Ok. Bonjour. Ouh. Attends, je vais demander à une danseuse. J'ai bien besoin de me faire plaisir. Alors, le menu aujourd'hui. Speed Burger, banana, Coca-Cola, vin, ok. Melon, boa, hot, fruit, agromony, today spécial, ok. Parfait. Je vais aller prendre les trucs. Alors, cigarette. Non, monsieur, vous n'êtes pas autorisé à rentrer. Oui, je vous reconnais. La dernière fois, c'est vous qui avez explosé l'aquarium et qui avez foutu un poisson dans le ouais. Petit bâtard. Allez, j'ai fini avec la danseuse. Merci, ma belle. Wouh je me suis bien fait plaisir. Je me suis bien fait plaisir. Bah. Je fais mon boulot, je garde du corps.
C'est moi qui surveille sur toi. T'avais pas le temps de faire le bruit de l'oiseau pour moi. T'avais pas. Ah mince. Ouh, j'avais pas entendu. Hein? Ah, salut. Bah moi j'ai droit, j'ai pas de femme. T'as qu'à demander à ton futur mari. Moi je... Eh Lila, écoute-moi, moi t'as bien droit de me laisser y aller quand même. Parce que moi j'ai pas de femme. Mais par contre, ça a demandé à ton mari. Mais c'est mon boulot. Je vous laisse entre vous, hein. On se retrouve demain. Tu touches pas ma femme, salaud. On se retrouve demain. Hein. On se retrouve demain, ciao ciao. Allez, viens, Lila. Tu vas dans le studio, finalement. Allez, j'y retourne en stream. J'ai envie de voir des femmes. Viens, Lila. Mon appart à moi. Bon. Et ça sera là où tu commenceras à me laisser tomber. Quand, pour être gentil, je vous donnerai des billets pour aller quelque part, mais en ville, hein. Au cinéma, et vous vous rapprocherez de plus en plus. Ouais, quoi. Bon, je leur ai donné des billets dans la chambre. Ils vont voir billets pour le dé... pour du cinéma. J'espère que ça va leur faire plaisir. Ah aïe, 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 aïe. Je sais, j'ai déjà fait dans certains RPG. Aïe, c'est qui a foutu sa bagnole là? Il est complètement malade. Et là, vous verrez des billets sur la chambre. Oh non. Et quand tu rentrais, tu nous voyais en train de... Ouais. Bon, je vais rentrer. Allez, je vais entrer alors. Non, je rigolais, je rentre chez eux. Bon, alors. Ah ouais, il y a des billets pour le cirque. Regarde, enfin pour le cinéma. De la part de mon frère, c'était marqué. Enfin, de moi. Ah, c'est de la part de mon frère. Tu me fais entrer? Bah, mec, attends. Parce que... Après, je ferai comme si je vous voyais pas. Enfin, quand tu vas m'ouvrir... Je vais mettre en vidéo la pause. Enfin, en vidéo, là, en pause. Donc, vas-y, invite. Eh oh, je veux rentrer. Bon, je vais ouvrir la porte à coup de pied. Attends, vas-y. Voilà. Bon, c'est moi, j'entends du débruit. Je vais aller voir en bas. Alors, voyons voir. Attends, tu m'avais pas vu tout de suite. Ok. Merde, j'espère qu'ils m'ont pas vu. Vite. Je vais aller me cacher dans cette pièce. Non, c'est bon, on a eu fini. On m'avait pas trouvé dans cette pièce. Non, tu m'avais pas trouvé. Chut. Oh putain. Je vais mettre mon pyjama. Et j'espère qu'ils vont continuer. Ça me fait un beau spectacle. Putain, j'ai plus de pyjama, faut chier. Quoi? Ouais! Non. Ah oh, merde! Fais chier! Attends!
monde est intéressant, Christelle. Oui, c'est ça que tu dis, ça. Ouais. Alors, là, ils sont en bas. Une bonne femme qui dit réaliser le cake aux escargots. Ouais. Vas-y, je vais voir ce qu'ils font. Pour l'instant, ils font rien. Oh, merde! Vite! Vite, vite, vite! Eh oh, chérie! Il y a eu des égratignures sur la porte! Mais bon, j'ai réparé! Putain! Bon, elle dort. Tu m'avais pas vu du bon côté, t'avais vu de l'autre côté. Ah ah! Mais pourquoi t'es sorti de la porte alors? Ah mais je crois que je devais mince. Bah attends, réinvite. Merde, je vais redéfoncer la porte. Quoi? Ouais. Ouais. Et je faisais des sauces pas bien. Tu vas voir. Attends, je sais ce que je vais lui faire. Il va aller se laver dans la salle de bain. Alexis, t'es quand même première personne? Ouais. Merde, putain. Bon, moi je vais me laver. Pipidou, pari, parou, paparou, pari. Attends deux secondes. Mec. Moi je m'en fous. Elle se réveille pas. Je m'en fous, elle se réveille pas. Ouais. Attends. Oh mince. Et puis mon frère. Dégage! Non! Je suis désolée! J'avais besoin de femme! J'avais besoin d'une femme! Je suis désolée! T'étais hyper énervée. Et elle était choquée, sa femme. J'en ai marre, il me laisse toujours tomber. Il va voir ce que je fais à son véhicule. Tu sortais voir ce que je faisais, t'entendais des booms. Terrasse la bagnole. Il a t'a dépassé les bords. J'en ai marre ta bagnole. T'avais pas d'arme. Aïe. Non, mais attends, tu me tires pas dessus quand même. Viens que je t'ai un poids américain, va. J'arrive, j'ai mes poids américains. Au secours. Je t'appelais pas ça. Oh, désolé, chérie. Oh, qu'est-ce que tu fais à ma femme, toi? Lila. Merde, Lila, putain, c'est chier. Son véhicule, je vais relâter. Vas-y. T'as encore les poumes. Tiens. Putain, mais c'est qui continue, cet enfoiré. Tiens. Mais c'est parce que quelqu'un dégomme mon véhicule. Tiens. J'en ai ras le poil de ce véhicule. Putain. Tiens. Lila, on va s'occuper de ce connard. Ah non. Tiens la bête. Tiens sale bagnole. Espèce de merde. Crève sale bagnole.
T'avais vu que j'avais mis Lila au feu? L'abonné, il est trop bien tombé. Allez, vite! Je vais lui dire où je vais m'emmener. Allez, faut qu'il m'emmène là-bas. Allez, vite, emmène-moi! Allez, putain, vite! Vas-y, emmène-moi, poteau! Allez, Alexandre, plus vite! Allez, Alexandre, par là, c'est bien! Vas-y, continue avec ton véhicule blindé! Allez! Tu vas y arriver! Ah vite, à droite! À droite! Ah, plus vite! Plus vite! Lila, j'ai sorti les C4. Si je les vois, je les explose. T'inquiète. Putain! En plus, mon pote, il pue! Mon frère! Allez, je rentre chez moi! Non, mec, non, mais mec! Ça aurait été trop bien! Attends, mais tu défonçais la porte! Lila, Lila, on va attendre qu'il sorte! Lila, on va attendre qu'il sorte et on va l'exploser! Bon! Je vais sortir par ma porte d'entrée, de toute façon, mon pote, il m'attend dehors avec sa bagnole! Je vais sortir par la porte d'entrée, je lui envoie un message! Attends, prêt! Ah, vite! Oh là là, c'est la merde! Prépare-toi, je sors. Viens, Lila, viens à côté de moi. La porte d'entrée. Dès qu'il est dans le shop. Tu le butes pas tout de suite, Lila. On l'interroge et ensuite. S'il dit des choses qui me plaisent pas, je te dis de le buter, ok? Je vais aller me changer de tenue. Avant. Dès qu'il sort, tu l'interroges et dès qu'il dit quelque chose qui me plaît pas. Est-ce que vous m'avez reconnu? Là, je vais changer de tenue. Est-ce que vous m'avez reconnu? J'avais changé de tenue. Oui, oui. Ok. Là, tu vises et dès que tu vois quelqu'un sortir, ce sera forcément lui, tu butes. Bon, tu m'avais entendu de en haut. Bon, je vais sortir par la porte d'entrée. Là, tu le vises. Quand il dit quelque chose qui me plaît pas, tu tires. Je te dis de tirer. Tu tires une seule balle. Et à chaque fois qu'il dit quelque chose qui me plaît pas, tu tires encore une seule balle. Ok ? Il va me le payer très cher, cet enfoiré. Ah merde, putain la merde, putain, je vais essayer de courir en sortant de la porte d'entrée. J'espère qu'il va pas m'attraper. Allez go, je me prépare à sortir de la porte d'entrée. Oh putain, oh putain, allez de la porte d'entrée. Je vais regarder mon pote ce qu'il fait. C'est bon, il a la bagnole. Oh non, il est plus là. Oh non, il est passé où mon pote? Oh non, dis-moi qu'il est dehors. Il est dehors, vite. Faut qu'il vienne, je l'attends et je sors de la porte d'entrée. Attends, allez. C'est bon, il arrive. Parfait. Attends, je lui envoie. Et après, je sors en vitesse. Prends-moi... vite à la porte d'entrée. Attends, j'occupe son pote. Allez, 3, 2, 1. Allez, je vais sortir, je cours. Attention, c'est bon, chargement, je prépare à sortir. Allez, je me prépare à sortir. 3, 2, 1. Un, go! C'est bon, j'ai sorti la porte d'entrée, je flippe!
Allez, go. C'est bon, je suis sorti. J'attends. Chargement. Enfin, faut que je... le temps que je prenne l'assassin. Oh! Holy shit, il est où mon pote? Mon pote, viens vite avec ta bagnole! Ah, vite! Faut que je remonte à mon appartement! Je remonte à mon appart! Je monte pas à mon appart! Je flippe à mon appart! Holy shit, man! Holy shit! Il monte à la grue. Et là, il monte à la grue, chauffons-le. Il n'osera pas sauter tout là-haut. Ah, non, ne tirez pas dessus. Mais non. Non, Lila. Je recommence. Lila, je t'ai dit de tirer dessus quand je t'ai demandé. Putain. Maman. Attends, je recommence, on disait. Vite. Ils ont cru que j'étais pas mort. Attends, je vais à mon appart. Là, vous m'avez pas vu parce qu'il faut que je monte. Là, tu m'avais pas vu. Si tu le vois, laisse-le, je l'attends en haut. Et là, même si tu le vois, laisse-le. Je le laisserai passer et je le prendrai dans le dos. Il pourra plus rien faire. Merde, je suis coincé. Je vais être coincé, je veux dire. Oh là là. Non, attends, toi t'étais en bas. Enfin, comme tu veux, non. Soit tu restes en haut. Je vais crever. Je voulais pas faire ça. Je voulais pas que ça se passe comme ça, mais j'avais pas de femme. Pourquoi? Je vais... Lui et mon frère, il va me buter. Oh putain. Je vais me faire tuer. Je suis mort. Ouais. Allô, Lila? Oui, t'inquiète, je vais poser quelques questions. Pourquoi tu me mets là? Non, putain. Monte encore plus, mec. Non, mais attends, tu vas voir. Ok, bon, c'est bon. Non, merde! Oh putain, la chance. Je vais attendre qu'il passe. Coucou. Là, je t'avais pas vu. Hop. Maintenant, on va s'expliquer. Ah! Oh non. Ne saute surtout pas. Je saute pas, c'est bon. Sinon, je meurs. Ne saute pas. Mais c'est bon, je dis que je saute pas. Mais attends, vous me tirez pas dessus en vrai. Hein. Bon. Pourquoi t'as fait ça? Parce que j'avais pas de femme. Parce que, écoute-moi, avant de me tirer dessus. Et mec, tire pas dans la tête. Écoute-moi, non, parce que j'avais pas... bon, je sais que tu m'as dit que j'en aurais une. Mais je sais pas, j'ai jamais fait de ma vie. Et moi, une fois, je te l'ai jamais dit, j'avais une femme. Et après, elle s'est fait buter. Moi, je voulais en avoir une nouvelle. Mais après, elle était à toi. Tu sais quoi, Alex? Lila, pourquoi? Lila, pourquoi t'as fait? Je vais aller voir en bas. Oh my God. Frère. Aïe. Oh putain. Ah putain, ça fait mal.
Allez, Lila, le tue surtout pas. Si tu le tues, je sais que j'ai du mal à le dire, mais si tu le tues, je serai obligé de te quitter. Bon, Alex. Tu sais que je répondais plus, hein, je suis tombé de l'échelle, hein. Oh! Voilà, Lila. C'est bon. Bon, Alex. Vous voulez me buter, allez-y. Alex. Non. Par contre, là, lui, il commence à me casser les couilles. Mais... Aïe! Non! Viens, on va aller trouver Alex. On va aller retrouver Alex. Ça presse 10 au 6. Sapristi saucisse. Sapristi saucisse, faut que je me casse. J'adore avec le ton qu'il a dit. Attends mec, je fais juste un truc avant que tu m'attrapes. Dans la même ruelle que moi. Ah non, je veux juste faire un truc et après je vais dans ta ruelle. Tu vas voir pourquoi. J'arrive, va connard. J'ai pas peur de toi, enfoiré. Tu pues. Ok. T'es un homme mort. Tu sens la merde. Ta femme est une merde. T'as dit quoi sur ma femme? Moi, tu peux bien me traiter, mais pas ma femme. Je suis désolé pour ta femme. Ça m'a énervé sur le coup, ok? Ça m'a énervé. On va discuter. Je vais pas. On va discuter. Je vais pas. Je ne suis pas prêt. Stop, backup. T'as dit que ma femme c'était une merde, c'est ça? Oui. Et après j'ai dit désolé. Je m'en fous de ton désolé. Ouais, allô Lila. Ouais, tu lui poseras quelques questions. Mais surtout, tu le butes pas. C'est moi qui en aurai l'honneur. Bon. Non, attends. Retourne-toi. Retourne-toi. Jamais. Mais non. Putain, pourquoi tu fais jamais ce que je veux? Et là, je tombais dans la ruelle, comme tu voulais. Alexki, t'es l'homme le plus souvent de la terre, Alexki. Ah. Non mais mec. D'accord. On remontait encore une fois. Je vais me casser. On va les couilles si c'est répétitif de la vidéo, mais si tu fais jamais ce que je veux, c'est tout le temps ce que tu veux, donc fais jamais ce que je veux. Allez, RP, alors je m'en bats les couilles. Ah, je remonte, je m'en fous. Ciao, amigo. je et dire qu'il est même pas mort. Par contre, ah merde. Alors frérot, tu dis quoi de ça? Hein frérot, tu dis quoi de ça? Je vais être au sommet, j'ai un parachute. T'inquiète, je chasserai pas. Il est dégoûté. Allez, ciao, moi je vais sauter en parachute. Hop. Ah putain, ça crève. Eh, je vais aller vite prendre ma parachute. Ah. Me bute pas, hein, comme il a dit, tire pas. Lila, salut. Surtout ne le bute pas, Lila. Lila, surtout ne le bute pas. Je saute pas. Lila, laisse-moi faire. Laisse-moi passer devant.
Reste dos, reste dos. Tu bouges pas. Par contre, tu m'exploses pas en vrai. Hein. Donc, frérot, non, c'est ça. Une question à te poser. Si tu dis une seule fois quelque chose de méchant sur ma femme, je t'explose. D'accord. Alors. Ah, j'ai mal à la lèvre. Je peux pas trop. Tu l'as ? Oui, je sais. C'est t'as pas besoin de dire le mot. T'as pas besoin de dire le mot. Tu veux que je te. Ta femme ! Elle est tombée ? Bien. Elle est tombée. T'inquiète pas. Ah non, c'est bon. On c'est bon, va, bute bah, le elle mec. Elle est... Bute le mec, lui. Voilà. Bon, écoute. Faut c'est bon, je vais. En vrai, mec, il se place pas. Pourquoi j'ai fait ça? Oui. Oui. Parce qu'en fait, tu vois. Oui, attends, attends. Parce qu'en fait, tu vois, tu veux que je te dise vraiment un truc qui me fait très mal au cœur. Et ça, je dois te le dire dans l'oreille, je te jure, je ferai rien. Ouais. Je pourrais jamais avoir d'enfant. Pourquoi? Parce que j'ai un problème depuis que je suis petit. Tu l'as jamais su, maman. Maman, elle te l'a jamais dit. Non. Babou! Bah maintenant tu le sais, je te l'ai expliqué. Bah t'inquiète, tu pourras en adopter. Ouais, bon, en allez, adopter viens, c'est pas pareil. Viens, on saute à deux. Ok, j'arrive. T'as un parachute. Oui, j'ai un... Ah, frérot, je monte. Frérot, regarde, tu oh, me voyais. Oh, la ah sur la manette. Ah, en vrai, c'était prévu, hein. Mm. On doit il a glissé sur le bouton rouge. Adieu. Et c'est là depuis et là écoutez écoutez là ça va être la partie 2 et là tu croiras vraiment que je suis mort et depuis et tu te rappelleras que t'avais un ciné, ça te remontera le moral et tu m'oublieras et je ferai des semaines plus tard enfin des mois plus tard comme si tu m'avais oublié et qu'à un moment je voudrais me suicider à suivre.